This meeting is being recorded. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le module 2, Sécheresse en Abouti. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'ai été sur la plateforme, j'ai vu les discussions. Je vous encourage à continuer les discussions sur le forum Sphère. Notamment, n'hésitez pas à échanger des informations entre collègues. Il n'y a pas que l'équipe Sphère qui peut répondre aux questions, mais vous aussi, vous pouvez répondre aux questions. Je vous encourage fortement à le faire. Aujourd'hui, on va faire un survol du module 2, Sécheresse en Abouti, avec les différentes thématiques qui ont été abordées, notamment les droits humains, la communication bilatérale, la participation et la mobilisation des capacités. Et nous aurons une intervention de notre experte, Kadi, sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Et en fin de session, comme à l'accoutumée, nous aurons les petits groupes où vous pourrez discuter entre vous sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue et bonne participation. Nous avons notre équipe de formation. Comme d'habitude, moi, je faciliterai la session avec les collègues qui vous appuient, surtout dans le chat, Tristan, Félicité et Victor. On aura la contribution de notre collègue Kadi Anabebou. Elle est une formatrice Sphère et experte en VBG, protection contre l'exploitation et abus sexuels. Elle nous fera part de son expérience aujourd'hui par rapport à l'utilisation des normes Sphère et la PEAS. Aujourd'hui, on avait vu la semaine dernière, on avait fait une petite enquête pour vous demander quelle était votre raison, pourquoi vous êtes inscrit dans cette formation. Et la majeure partie d'entre vous avait répondu que c'est lié à l'humanitaire, ça correspond à votre profil, vous travaillez dans des ONG, vous travaillez dans l'humanitaire, vous voulez améliorer la qualité des interventions humanitaires. C'est effectivement le but de l'association Sphère, c'est de promouvoir une meilleure qualité des interventions humanitaires, c'est de promouvoir l'utilisation des principes humanitaires. Donc, je comprends parfaitement pourquoi vous avez participé à cette formation. Donc, ça, c'est le résultat des réponses de l'enquête que nous avons effectuée la semaine dernière. Donc, on a déjà dans votre profil, lorsque vous vous êtes enregistré, des raisons et on avait fait cette petite enquête. Aujourd'hui, on va parler de droits humains. Vous avez vu dans le module 2 sur la sécheresse, les personnes touchées par une catastrophe sont les premières personnes concernées par une situation de crise due à un conflit ou à une catastrophe. Donc, les personnes les plus touchées par cette catastrophe sont au premier plan de l'intervention humanitaire. Ensuite, on a le gouvernement. Vous avez vu dans les questions posées dans le test, qui était responsable de porter secours en premier? Il revient au gouvernement. Vous avez vu que le gouvernement de l'Abouti était le premier responsable pour porter secours aux personnes qui sont affectées par une catastrophe ou un conflit. Ensuite, en dernier ressort, viennent les organisations humanitaires. Dans certains contextes, le gouvernement peut gérer, le gouvernement fait la réponse humanitaire. Mais dans des pays où le gouvernement est aussi affecté en tant que structure, ne pouvant pas coordonner la réponse, le gouvernement peut faire appel à la communauté internationale, aux organisations humanitaires qui peuvent apporter leur contribution à la réponse humanitaire. On avait vu aussi dans le module la charte humanitaire. La charte humanitaire est le fondement principal du manuel. Vous avez vu qu'il y a des droits à respecter selon les principes du droit international. On avait vu que le droit à la protection, le droit de vivre dans la dignité et le droit de recevoir une aide humanitaire, ce sont les trois piliers clés de la charte humanitaire. Le droit de vivre dans la dignité, tout être humain a le droit à des accès et à l'éducation, à la santé, à la nourriture, à l'eau, à un droit, à un logement décent. Donc, selon les droits internationaux,
pour les êtres humains ont le droit de vivre dans la dignité. Le droit à la protection et la sécurité en période de conflit ou de catastrophe, les personnes qui sont affectées ont le droit à la protection et la sécurité et le droit de recevoir une aide humanitaire. Vous avez aussi vu que le droit à la dignité peut influencer les décisions programmatiques. Donc, quelques exemples que nous avons tirés du module, la création et la mise en place de mécanismes solides de plainte. Par exemple, discuter avec les communautés affectées permet de mettre en place des mécanismes de communication solides. Des programmes de formation pour le personnel, des programmes de formation pour les personnes affectées. On avait vu que les personnes affectées connaissent comment s'en sortir, mais n'ont pas forcément la capacité, n'ont pas forcément les moyens de sortir de la crise, de sortir après une catastrophe. Donc, en tant qu'acteur humanitaire, on est dans l'obligation de former ces personnes-là qui, dans la plupart du cas, sont les personnes qui agissent en premier lieu. Avant que ne vienne l'État, avant que ne viennent les organisations humanitaires, ce sont ces personnes-là qui s'entraident sur le terrain, d'où cette nécessité de renforcer leurs capacités. Argent contre travail et assistance monétaire, c'est un principe qui est en train d'être utilisé de plus en plus où, au lieu d'apporter l'aide nous-mêmes, les gens peuvent se relever. Les gens se sentent impliqués dans la réponse et les gens peuvent recevoir de l'argent pour utiliser. Par exemple, au lieu d'apporter de la nourriture, au lieu d'apporter de l'eau, les gens ont de l'argent et peuvent acheter ce qu'ils veulent. Donc, ce sont des principes qui permettent de non seulement renforcer la capacité des gens, de ramener leur dignité, ils se sentent valorisés, ils sentent qu'ils ne sont pas des laissés pour compte. Donc, ça, c'est un principe qui est très important au sein de la charte humanitaire, le droit de vivre dans la dignité. Maintenant, je vous encourage dans le chat à mettre d'autres exemples. Comment le droit de vivre dans la dignité peut-il influencer les décisions programmatiques? Par rapport à ce que vous avez vu, lorsque vous êtes dans une situation de conflit, dans une situation post-catastrophe, comment impliquer les gens, comment respecter le droit de vivre dans la dignité a une influence positive sur les programmes que nous mettons en place. Donc, je vous encourage à partager vos commentaires dans le chat. OK. Les caractéristiques essentielles de l'intervention humanitaire. Dans le module 2, vous avez cliqué, pour les personnes qui ont complété le module, vous avez cliqué sur ces différentes composantes. En termes de caractéristiques essentielles, l'aide humanitaire doit être impartiale. Vous avez vu ça aussi dans le code de conduite du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Impartiale dans le sens où on vient avec l'aide humanitaire sans distinction de race, de couleur. Par exemple, dans certains contextes, dans certains pays, il y a différentes ethnies. On ne vient pas pour servir une seule catégorie de personnes, mais l'aide humanitaire doit être impartiale. L'aide humanitaire doit prendre en compte les catégories les plus vulnérables. Par exemple, les personnes vivant avec un handicap. Disons, par exemple, que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH-SIDA qui, dans leur contexte, malheureusement, sont victimes de discrimination. Ces personnes ne participent pas forcément aux distributions, ne participent pas forcément aux réunions, ne savent pas à quoi s'attendre par rapport à l'assistance qui est apportée. Donc, l'aide humanitaire doit rester impartiale, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie et de groupe politique ou autre. L'aide humanitaire doit être centrée sur les personnes. Pour ceux qui ont vu mes commentaires dans le forum, il y avait une question sur l'évaluation des programmes. J'ai expliqué que même pour l'évaluation des programmes, il y a des programmes qui sont axés sur les besoins. Nous intervenons après une inondation. Les besoins des personnes sont en eau, les besoins sont en abri, les besoins sont, par exemple, d'avoir accès à des toilettes, à des douches pour que les personnes puissent se doucher. L'aide humanitaire doit être centrée sur les besoins. Est-ce que les acteurs humanitaires ont discuté avec les personnes qui vivent dans cette communauté affectée?
Est-ce que ces personnes étaient impliquées? Est-ce que c'était une participation qui était passive? Juste pour les impliquer, juste pour dire, OK, au bailleur, on a consulté la communauté, on a fait des réunions communautaires, voici le nombre de personnes qui a participé. Mais est-ce que vous prenez vraiment en compte la nécessité que ces gens-là ont de participer à leur propre relèvement après une catastrophe? Donc, centré sur les personnes que nous voulons assister. L'intervention humanitaire doit être transparente. Là, on fait appel à ce que nous appelons la redevabilité. C'est un thème qui est assez nouveau pour la plupart des acteurs humanitaires, bien que ça existe depuis des décennies. La redevabilité, la transparence, la reddition de comptes. Donc, ce sont autant de thèmes qu'on peut associer à la redevabilité. La reddition des comptes où on discute non seulement avec les bailleurs de fonds des ressources qu'ils ont mises à notre disposition, mais nous discutons aussi avec les communautés affectées. Nous les impliquons. Il y a différents piliers. Il y a la communication bidirectionnelle où vous discutez avec la communauté vous fait part de leur feedback aussi. Il faut rester transparent dans ce que vous voulez faire. On ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout faire dans une intervention humanitaire, mais l'essentiel est de garder la communication ouverte pour que les gens ne soient pas frustrés par la suite. Ils sont impliqués, ils savent ce que vous voulez faire. Je veux travailler dans l'assainissement, je veux travailler, par exemple, l'exemple que vous avez eu dans le module 2 sur le puits. Est-ce que les personnes étaient impliquées lorsque cette organisation devait mettre des puits à la disposition de la communauté? Est-ce que les personnes ont été consultées, oui ou non? Donc là, ce sont des questions qu'on vous pose par rapport à la redevabilité. L'intervention humanitaire doit être exempte de danger. On a ce principe de ne pas nuire que nous utilisons. Ce principe de ne pas nuire dit que l'aide humanitaire ne doit pas devenir une source de nuisance pour les personnes que nous appuyons. Donc, donner par exemple de la nourriture et la nourriture est périmée, donner des médicaments et les médicaments ne sont pas contrôlés. Donc, ça peut avoir des répercussions sur la santé des gens. C'est vrai que nous voulons les assister sur le moment, mais il faut que l'aide humanitaire soit exempte de danger pour tout le monde. Je vois Maria qui a la main levée. Si tu peux mettre dans le chat la question, et les collègues pourront me faire part de cela tout à l'heure. La communication bilatérale. L'information, on en donne et on reçoit. Par exemple, en tant que gestionnaire de programme, lorsque vous intervenez dans une communauté, est-ce que vous faites une campagne de communication autour du programme pour dire le programme vient en appui à telle communauté, le programme commence de tel mois jusqu'à tel mois, le programme, voici les critères, vous allez voir tout cela aussi avec Kadi. Parler des critères de sélection des participants dans le cadre d'un programme, ça permet d'éviter aussi beaucoup de soucis par la suite parce que les gens savent que, basé sur ces critères-là, je peux avoir accès à l'assistance humanitaire sans avoir à monnayer des services, sans avoir à vendre mon corps contre des services. La communication permet de renforcer la confiance. Par exemple, dans une communauté où il y a, par exemple, une inondation ou un tremblement de terre. Et les gens sont très affectés. Il y a beaucoup d'acteurs humanitaires. Ils viennent dans leur 4x4 avec beaucoup de personnel. Ça renforce la confiance où les gens savent ce que vous êtes en train de faire. Les gens ont une tendance le plus souvent à dire, vous êtes venu vous faire de l'argent en notre nom. Et le plus souvent, c'est le cas. Mais quand vous discutez avec la communauté, ils savent où est-ce que le programme est en train d'appuyer, pourquoi et comment. Écoutez. Certains gestionnaires de programme, au début, ils disent, oui, on a fait des consultations pour monter le programme. Mais après, lorsque les activités sont en train d'être mises en œuvre,
on ne les entend plus. Il n'y a pas de réunion communautaire, il n'y a pas d'évaluation de programme, il n'y a pas de communication continue avec la communauté. Il faut continuer à écouter les gens. Peut-être qu'au départ, ils étaient d'accord par rapport aux besoins qu'ils avaient exprimés. Il fallait agir dans tel sens. Mais par la suite, peut-être que la situation a évolué, peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose, peut-être que leur priorité a évolué. Donc, la communication bilatérale est très importante pour identifier les capacités qu'il y a sur le terrain. Parce que les acteurs qui sont sur le terrain doivent aussi s'appuyer sur les communautés affectées. Et ce sont ces personnes-là qui doivent être renforcées parce que, disons par exemple, dans un pays où, dès le début de la saison cyclonique, ce pays-là est affecté. Donc, ce sont les premières personnes concernées à qui on doit renforcer les capacités pour que l'intervention soit efficace, pour que les personnes puissent porter assistance rapidement lorsqu'il y a un problème. Okay? Ensuite, on a eu la participation et la mobilisation des capacités. Ne pensez pas en tant qu'acteur humanitaire que vous venez avec toute la connaissance par rapport à d'autres interventions que vous avez faites. Chaque contexte est différent. Il faut compter sur les aptitudes des personnes qui vivent dans cette communauté-là. Peut-être qu'ils ont une certaine façon de construire leur habitation par rapport au climat du pays. Ils ont des compétences dans la communication. Par exemple, le chef du village, il sait comment ramener tout le monde autour de la table s'il y a des conflits, par exemple, au sein de la communauté. Donc, vous devez vous appuyer sur les capacités existantes dans la communauté quand on ne parle jamais de zéro. Les avantages qu'il y a à impliquer la communauté pour que la communauté puisse participer de façon active, les interventions sont plus durables. La majeure partie des interventions humanitaires sont de courte durée. Par exemple, les bailleurs de fonds financent des projets sur 6 mois, sur 9 mois, sur une année, mais renforcer la capacité des communautés permet de garantir la pérennisation des actions qui ont été menées sur une courte période. La confiance et le respect de soi, la résilience et l'indépendance. La résilience dans une communauté où, à cause du changement climatique, il y a parfois des inondations, parfois la sécheresse. Renforcer la capacité des gens permet aux personnes vivant dans cette communauté d'être plus résilientes. Donc, il y a beaucoup d'avantages à tirer de cette participation active de la communauté. Tristan, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Mais après ce slide, je te passe la parole pour qu'on puisse les revoir rapidement. Mais les points essentiels qu'il faut garder à l'esprit par rapport à ce module que vous venez de voir, vous avez acquis une meilleure compréhension des capacités des populations, de leur stratégie d'adaptation, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Parfois, les personnes échangent le sexe contre des biens. Ce sont des stratégies d'adaptation négatives, mais il y a beaucoup de stratégies d'adaptation positives aussi. Il y a des personnes qui acquièrent de nouvelles compétences à la suite d'une catastrophe. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Les personnes sont des ressources, les personnes affectées sont des ressources au sein de la communauté. Le renforcement des capacités commence par la mobilisation des capacités déjà existantes. Vous ne commencez pas de zéro au sein de la communauté, mais par exemple, les chefs de village, il y a aussi des agents de la protection civile, des volontaires de la Croix-Rouge qui existent, qui savent, par exemple, quand il y a une inondation, où est-ce qu'il faut aller, où sont les personnes les plus vulnérables. Donc, vous avez déjà un réseau existant. Il peut y avoir un conflit entre la participation et les traditions culturelles. Vous avez vu ça dans le module 2, où, par exemple, les femmes n'ont pas voix, elles ne peuvent pas parler lors des réunions communautaires. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est ancré dans la communauté. Il faut garder à l'esprit la réalité de la zone, la culture des gens pour ne pas les froisser non plus. Donc, Tristan, je te passe la parole. Et je passe la parole à Félicité. Oui, en fait, c'est moi, Cindy, qui regarde le chat pour les questions. En fait, il y a 2 questions dans le chat pour toi, Cindy. Comment faire si l'aide humanitaire n'arrive pas au bon endroit à cause de la corruption?
ça arrive tout le temps. Dans plusieurs contextes, moi, où j'ai été, je dirais que la première raison, si on n'a pas un gouvernement fort, si la corruption débute déjà au sein du gouvernement, il y a de fortes chances que l'aide humanitaire soit détournée. Parfois, on peut avoir un gouvernement qui est fort, mais les organisations humanitaires ne sont pas contrôlées. Par exemple, il y a des ministères de la planification, ministères qui gèrent l'aide internationale, qui sont là pour réguler un petit peu comment l'aide humanitaire est apportée au sein de la communauté. Donc, si ces mécanismes de contrôle ne sont pas en place, il y a de fortes chances qu'il y ait détournement. Mais parfois aussi, l'aide est détournée en raison d'autres situations. Par exemple, j'ai connu des contextes où, à cause des gangs ou des personnes qui sont armées sur les routes, l'aide est détournée, même s'il y a une bonne volonté du côté du gouvernement et des organisations humanitaires, mais au sein de la communauté elle-même. Par exemple, si les acteurs humanitaires se dirigent vers les zones les plus affectées, mais les personnes qui sont aussi affectées sur les routes se disent, nous aussi, on a besoin de l'aide et l'aide est détournée au profit d'autres communautés. Donc, il y a différentes raisons. OK. Merci, Cindy. Et une deuxième question. Durant les moments de crise, les déplacés sont parfois violents dans les abris et ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? OK. C'est une réaction que je dirais qui est naturelle. Pas que l'homme a une propension à la violence, mais dans un contexte où la personne a perdu tous ses repères, la personne a perdu sa maison, source de revenus, la personne vit dans un camp qui est surpeuplé, il n'y a pas d'intimité, la personne est oisive, elle n'a plus de travail, les enfants ne vont plus à l'école, ils ont faim, ils ne mangent peut-être pas à leur faim. Il y a beaucoup de paramètres qui font que la frustration augmente au sein de la communauté. Dans des camps qui ne sont pas planifiés, vous allez voir dans le module 2, il y a la différence entre des camps qui sont planifiés, par exemple, des organisations comme UNHCR dans les contextes de réfugiés, ils organisent la coordination. Dans des contextes de personnes déplacées internes, il y a l'Organisation internationale pour la migration qui se charge de la coordination avec OCHA, qui assure une coordination de ces camps-là. Donc, il y a des camps qui sont planifiés où les infrastructures sont déjà disponibles en termes de tentes, peut-être par famille, de douche, de toilettes, où il y a plus ou moins une certaine structure. Il y a des comités de camp de la communauté composés de femmes, d'hommes, de personnes vivant avec un handicap et d'autres groupes vulnérables où ces questions-là sont réglées. Mais il y a d'autres camps qui ne sont pas planifiés. Par exemple, après une catastrophe, la personne trouve un terrain vague, une église, une école. Un groupe va se réfugier là-bas pour chercher un abri. Donc, dans des situations pareilles, nous, ce qu'on fait, moi, je pense à une expérience que j'ai eue où on a travaillé avec des comités de camp, où on a fait des formations qui s'appellent CCCM, Camp Coordination and Camp Management, la coordination de camp et la gestion de camp, où on forme les comités de camp à une meilleure gestion pour un petit peu structurer les camps quand ce ne sont pas des camps planifiés. Deuxièmement, on met à la disposition des communautés, non seulement des psychologues, des travailleurs sociaux, mais on fait des activités qui permettent aux personnes de s'exprimer. Par exemple, aux enfants, il y a des espaces amis d'enfants. Pour les femmes, il y a des espaces sûrs où les gens peuvent s'exprimer et dégager un petit peu cette frustration et aller de l'avant. OK. Encore une autre question avant de continuer, Felicity? Non, je pense qu'on va continuer parce qu'on okay. a, j'espère, notre expert thématique qui avait du mal avec la connexion, mais on espère qu'elle est là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les forums, sur la plateforme, parce que là, vous aurez des réponses de très complètes. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, Cindy, on va continuer. D'accord. Dans ce cas, on va passer la parole à notre collègue Kadi Anabibou. Elle est experte dans la thématique de violences basées sur le genre, protection contre l'exploitation et l'abus sexuel. Donc, Kadi, je te passe la parole.
Cady. Merci Cindy pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Il y a ma vidéo qui ne donne pas. Je m'excuse bien pour ce souci technique. Voilà. Je suis Kadi Anabebou, comme Cindy l'avait bien dit. Je suis formatrice FAIR, je viens du Burkina Faso. Je suis chargée dans la présente formation de la thématique protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Avant de commencer, donc, je voudrais vous poser une question, chères participantes, participants. Et est-ce que quelqu'un a déjà vécu ou entendu parler d'un scandale de sexe contre nourriture dans le domaine humanitaire? Si oui, chacun va essayer de partager son expérience dans le forum du module 2, voilà, pour que ensemble on puisse s'enrichir mutuellement en expérience. Alors, mon intervention du jour va s'intituler autour de 4 points. Le premier, c'est le contexte général des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Le second, c'est la protection contre les exploitations et les abus sexuels. De quoi s'agit-il? Le troisième, c'est les outils de protection et enfin les défis. Il faut dire que dans un contexte humanitaire, il n'est pas rare de rencontrer des cas d'abus et d'exploitation sexuelle comme la demande de faveurs sexuelles, voilà, contre une assistance humanitaire quelconque ou des liaisons sexuelles entre bénéficiaires, populations bénéficiaires et acteurs humanitaires qui sont souvent non éclairés et sont généralement favorisés par la vulnérabilité des populations, par les rapports de confiance entre les populations affectées et les acteurs humanitaires, mais aussi par les rapports de force inégales qui sont aussi une réalité sur le terrain, parce que en principe, l'aide humanitaire est un droit pour le Bénin, non le contraire, ce qui n'est pas forcément vérifié sur le terrain. Alors, il faut qu'on peut identifier trois ensembles d'émergence des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Moi, je les appelle généralement des portes d'entrée. Alors, le premier ensemble, c'est l'ensemble formé par les populations bénéficiaires, parce que au sein des populations bénéficiaires eux-mêmes, il peut émerger des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Et il y a l'ensemble formé par les populations bénéficiaires et les acteurs humanitaires. Parce que dans les rapports entre les populations bénéficiaires et les acteurs humanitaires, il peut également émerger des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Et le troisième ensemble, c'est celui formé par les acteurs humanitaires eux-mêmes. Parce qu'au sein de la communauté humanitaire, au sein humanitaire, il peut également avoir des cas d'exploitation et d'abus sexuels qui émergent. Alors, la complicité donc de la gestion de cette question est que parfois les acteurs humanitaires, les organismes humanitaires là, ont ce penchant qui consiste à blanchir, à protéger leur image plutôt qu'à gérer de façon objective les situations de cas d'exploitation et d'abus sexuels. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est loin de, en tout cas, de l'intention qui est de ne pas punir les acteurs, les auteurs du moins des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Alors, après avoir fait le cas des exploitations et d'abus sexuels, après avoir pris connaissance des cas d'exploitation et d'abus sexuels, on va à présent parler de la protection. Alors, il faut dire que la protection contre les exploitations et les abus sexuels désigne l'ensemble des mesures
qui sont prises par la communauté humanitaire ou non et qui sont destinées à protéger les personnes contre les cas d'exploitation et d'abus sexuels. Pratiquement, la protection contre les exploitations et les abus sexuels, c'est le fait de regarder avec une torche, de regarder avec une loupe ou même de porter des lunettes de protection afin de pouvoir lire entre les lignes et de déceler ce qui peut être fait autrement afin d'éviter des éventuels cas d'exploitation et d'abus sexuels. Et quand je parle de faire autrement, c'est lorsque, par exemple, vous avez une campagne de distribution de vivres à faire et que vous impliquez totalement la population bénéficiaire et que vous communiquez suffisamment sur vos engagements, sur ce que vous avez à faire et comment vous devrez le faire et que même dans votre mécanisme de communication, vous dites de façon expresse qu'il n'y a pas de contrepartie possible pour pouvoir bénéficier de vos prestations. En ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie d'éviter, en tout cas, des cas d'exploitation et d'abus sexuels comme les cas de scandale de sexe contre nourriture. Ou bien, comme un deuxième exemple, si vous avez à offrir, par exemple, des hébergements, voilà, vous avez offert des hébergements à des populations bénéficiaires et que vous tenez compte de l'accessibilité du hébergement en termes de cas d'exploitation et d'abus sexuels et que vous tenez compte de la distance maximale de sécurité qu'il puisse avoir entre les hébergements et les toilettes, par exemple, ou que vous tenez compte de l'éclairage adéquat des toilettes ou même de l'existence de verrous par l'intérieur des toilettes. En ce moment-là, vous êtes sur la voie d'éviter des exploitations et d'abus sexuels comme l'exemple du viol ou des agressions sexuelles. Alors, à présent, on va parler des outils de protection. Comme outil de protection, on peut citer le code de conduite, qui est l'une des anciennes initiatives de protection. On a le manuel SPHER, qui tient compte des cas d'exploitation et d'abus sexuels, aussi bien dans ses chapitres techniques, dans ses chapitres de base que dans chacun de ses chapitres techniques. On a également les normes opérationnelles minimum qui, du groupe de travail du comité interpermanent qui tiennent aussi bien compte des cas d'exploitation et d'abus sexuels. On a aussi la circulaire du secrétaire général de l'ONU intitulée disposition spéciale visant les cas d'exploitation et d'abus sexuels. On a également l'indice de protection contre les exploitations et les abus sexuels qui est fondé sur la norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité que vous pouvez retrouver dans le manuel SPHER. Alors, à côté de ces outils convenus-là, il y a que chaque structure dispose individuellement soit un code de conduite, soit une politique de protection qui permet de garantir l'intégrité des gens et de prévenir les cas d'exploitation et d'abus sexuels. Je me rappelle, une fois, je participais à un entretien d'embauche et l'une des questions était que vous, en tant que collègue, vous allez à une soirée avec un collègue de service, un collègue, un ami de service, et vous découvrez que ce collègue-là, il sort avec une fille de 15 ans. Quelle sera votre réaction? Alors, et je signale que la politique de protection et le code de conduite de la boîte en question étaient mis à la disposition au préalable, étaient mis à la disposition
des candidats et que, voilà, le meilleur candidat, en tout cas, devrait être retenu par qui auront répondu à cette question-là conformément à la logique et à l'esprit du code de conduite et de la politique de protection de la boîte en question. Juste pour illustrer que de nos jours, en tout cas aujourd'hui, la question des abus et d'exploitation sexuelle relève de l'engagement, en tout cas de la majorité des organismes humanitaires. Alors, malgré toutes ces préoccupations qui ont été prises par la communauté humanitaire, il reste encore des défis à relever. Et ces défis-là, c'est d'encourager la culture de la dénonciation. Parfois, les gens ne dénoncent pas, en tout cas pour diverses raisons, soit la peur, soit par... En tout cas, pour diverses raisons, quand vous écoutez. Et c'est aussi de favoriser la communication de masse et l'implication totale, en tout cas, des populations affectées là, dans tout ce que nous initions en tant qu'acteurs humanitaires en leur faveur. Parce qu'il y a un adage qui dit souvent « ce que vous faites pour moi, sans moi, est quoi ?» Voilà. Et il y a aussi un aspect très important qui est celui de disposer des statistiques d'envergure, des statistiques intégrées sur la question des abus et d'exploitation sexuelle, ce qui permettrait d'éviter des cas de récidivisme. Cindy, je peux te repasser ta parole, ton micro. Merci, Kadi. Nous allons, à la suite de ce que Kadi vient de nous expliquer, nous allons passer à une petite enquête. Victor, est-ce que tu peux nous appuyer avec l'enquête? Je peux me rappeler sur l'enquête en soi. L'enquête, question 1, tu as la prévention d'exploitation sur les concepts clés. Oui. Voilà. Merci, Victor. Vous allez voir afficher sur l'écran quelques questions. On va un petit peu tester vos connaissances sur les concepts. Exploitation sexuelle et abus. Cette définition est-elle vraie ou fausse? Intrusion physique de nature sexuelle, abus à cause de la vulnérabilité, différence de pouvoir entre un personnel humanitaire et une bénéficiaire. Est-ce que c'est la définition de l'exploitation sexuelle et abus? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Intrusion physique de nature sexuelle, abus à cause de la vulnérabilité, différence de pouvoir entre un personnel humanitaire et une bénéficiaire. C'est vrai ou c'est faux? OK. 85% des personnes ont dit que c'est vrai, mais j'ai eu 7 personnes qui m'ont dit que c'est faux. Parmi les personnes qui ont répondu c'est faux, j'aimerais que vous écriviez dans le chat pourquoi pensez-vous que c'est faux. Exploitation sexuelle et abus, c'est une intrusion physique de nature sexuelle. C'est un abus à cause de la vulnérabilité. Il y a une différence de pouvoir entre deux personnes, entre l'acteur humanitaire et un ou une bénéficiaire. Deuxième question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La définition de l'harcèlement sexuel. Intrusion physique de nature sexuelle, abus à cause de la vulnérabilité, différence de pouvoir entre un personnel humanitaire et une bénéficiaire. Est-ce que ça, c'est la définition de l'harcèlement sexuel? Non, j'ai des réponses aussi dans le chat. J'ai vu non, faux. Parmi les personnes qui ont dit que c'est faux,
pourquoi c'est faux? Je suis d'accord, mais j'aimerais savoir pourquoi c'est faux. Vous pouvez écrire dans le chat. Harcèlement sexuel, pourquoi c'est faux? Le terme physique. Oui, ça peut être physique. Quelqu'un d'autre? C'est pas forcément physique, ça peut être verbal. C'est pas nécessairement une intrusion. Ah, parce que c'est entre employés. Effectivement, l'harcèlement sexuel dans le cadre de l'action humanitaire, on le voit pas entre un personnel humanitaire et un ou une bénéficiaire, mais c'est plutôt entre collègues de travail, entre différents acteurs humanitaires, même si vous n'êtes pas au sein de la même organisation, mais c'est entre acteurs humanitaires. C'est faux. La troisième question, définition de violence basée sur le genre. Désigne tout acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne qui est basée sur des différences de genre fixées par la société entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est la bonne définition? Vrai, oui. Vrai. Pourquoi c'est vrai? Est-ce qu'il vous a donné la réponse? Vrai. OK. La majeure partie d'entre vous a répondu vrai. C'est vrai. La violence basée sur le genre, c'est un acte perpétré en fonction des différences entre les hommes et les femmes décrites par la société. Victor, on peut passer à la prochaine. Est-ce que tu veux partager les résultats d'abord ou... Oui, oui. Okay, voilà. Donc maintenant, tout le monde devrait pouvoir voir les résultats, les pourcentages. La première question, c'est vrai. La deuxième question, c'est faux. La majeure partie d'entre vous avez trouvé. Et la troisième, c'est vrai. 95% d'entre vous, vous avez trouvé. Merci, Victor. On passe à la prochaine. À qui s'appliquent les principes de protection, d'exploitation et abus sexuels? Vous choisissez la bonne réponse. À qui s'appliquent les principes de protection, d'exploitation et abus sexuels? Seulement le personnel des Nations Unies et des organisations internationales. Seulement aux membres du gouvernement dans le pays hôte, aux bénéficiaires des programmes, projets, uniquement aux acteurs humanitaires, tout acteur humanitaire, contractuel, consultant, fournisseur de services, partenaire de mise en œuvre. OK. À qui s'appliquent les principes de protection? Il y a des personnes qui ont dit aux bénéficiaires des programmes, pourquoi, d'après vous, les principes de PEAS s'appliquent aux bénéficiaires des programmes? À tous. Merci pour la réponse. Quelqu'un a dit à tous. En fait, à tout le monde, il y a... une petite parenthèse à mettre. Quand vous dites tout le monde, ça inclut aussi les bénéficiaires. Est-ce que la PEAS s'applique aux bénéficiaires? Nous sommes là pour protéger les bénéficiaires des cas d'exploitation et abus sexuels. Donc, ça ne s'applique pas aux bénéficiaires des programmes. La bonne réponse, c'est à tout acteur humanitaire, que ce soit quelqu'un qui est staff permanent, quelqu'un qui est sous contrat, quelqu'un qui est consultant, que ce soit des membres du gouvernement avec qui vous donnez de l'argent, vous avez des ressources mises à leur disposition, ils doivent aussi respecter ces principes-là, ils doivent signer. Des fournisseurs de services, vous avez engagé une organisation qui fournit de l'eau sur le terrain, ces personnes-là doivent aussi respecter ce code de conduite. Victor, on passe à la prochaine. ?82% d'entre vous, vous avez eu la bonne réponse. On passe à la prochaine rapidement.
Victor, on passe à la prochaine. OK. Cette question s'adresse à vous tous. Vous toutes, savez-vous comment porter plainte dans votre zone d'intervention? Par exemple, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous savez comment porter plainte? Comment faire remonter des cas d'exploitation et d'abus sexuels? J'ai beaucoup de réponses de personnes qui disent non. OK. On va voir cela dans le forum. Est-ce que tu peux partager le résultat? OK. 61% d'entre vous disent oui. On va en discuter tout à l'heure dans le forum parce qu'il y a quand même 67 personnes qui disent qu'ils ne savent pas comment porter plainte là où ils sont. OK. Merci, Victor. OK. OK. Donc, maintenant que nous avons couvert cette thématique, on va revenir rapidement à la différence entre les standards et les indicateurs. On a pris comme exemple ce qu'on a vu dans le module 2, un standard sur l'aide alimentaire. Le standard dit, la norme humanitaire dit, les denrées alimentaires fournies sont d'une qualité appropriée, sont acceptables et peuvent être utilisées rationnellement et efficacement. Vous allez voir ici que les standards sont toujours qualitatifs. Il y a toujours un lien entre une norme humanitaire et les droits. Par exemple, ici, on parle du droit à l'accès aux denrées alimentaires. Donc, les normes prennent toujours cette forme-là, sont toujours qualitatives et sont en lien avec les droits humains. Par contre, vous allez voir plus bas les indicateurs clés. Ça parle de pourcentage. Pourcentage de la population touchée qui a accès à de la nourriture de qualité. Pourcentage de personnes qui ont accès à un mécanisme permettant de recevoir cette nourriture. Combien de personnes on peut toucher? Combien de tonnes de nourriture on doit offrir à une population? Donc, vous allez voir que les indicateurs clés sont plus quantitatifs, mais parfois, il y a des indicateurs clés qui sont aussi qualitatifs. Mais ce sont des signaux qui vous permettent de savoir si les normes sont respectées. Maintenant, après avoir donné cette explication, on va repasser sur cette enquête que nous avions faite aux deux webinaires précédents. À quoi correspondent les déclarations suivantes? 15 litres d'eau par personne par jour, 2100 kilocalories par personne, une toilette pour 20 personnes. Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que ce sont des standards? Est-ce que ce sont des indicateurs? Est-ce que ce sont des notes d'orientation? Sur la base de l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, les standards sont plus qualitatifs et sont en lien avec les droits de l'homme, les droits humains. Les indicateurs sont plus quantitatifs, parfois qualitatifs, mais ce sont des signaux qui indiquent si une norme a été respectée. Est-ce que ces déclarations-là sont des indicateurs ou des standards? Si vous êtes dans un contexte où on vous dit 15 litres d'eau par personne par jour qu'il faut donner à la communauté affectée, est-ce que ce sont des indicateurs? Est-ce que ce sont des actions? Est-ce que ce sont des notes d'orientation ou des standards? J'ai des réponses aussi dans le chat, mais il faut le mettre dans l'enquête. Il faut répondre dans l'enquête. L'enquête va s'afficher sur votre écran. J'ai beaucoup de réponses dans le chat, indicateurs, mais j'aimerais que vous le mettiez aussi dans l'enquête. Victor, est-ce qu'on peut partager les réponses? 4% de personnes ont dit que ce sont des actions. Est-ce que parmi ces personnes, vous pouvez me dire pourquoi, d'après vous, ce sont des actions? 28% de personnes ont dit que ce sont des standards. Est-ce que vous voyez que ça correspond à des standards et pourquoi?
et la majeure partie d'entre vous disent que ce sont des indicateurs. Mettez rapidement dans le chat pourquoi vous avez donné cette réponse. Et aussi, 3% ont dit que ce sont des notes d'orientation. Je veux voir parmi les personnes qui ont dit action, standard et notes d'orientation, pourquoi vous avez fait le choix de cette réponse-là. Ce sont des normes qui permettent d'apprécier les indicateurs. Indicateurs. Ils sont qualitatifs. Jeff Asende dit qu'ils sont qualitatifs et sont en rapport avec les droits humains. Ils sont plutôt quantitatifs, Jeff. Standard parce qu'ils sont en lien avec les droits humains. Bon, j'apprécie ces réponses parce que ça me permet aussi de comprendre votre logique. Vous dites que ce sont des standards parce que ce sont des normes minimales et universelles. Dans certains contextes, on ne va pas offrir 15 litres d'eau par personne et par jour. Ça va dépendre, premièrement, de la capacité des acteurs qui travaillent dans le WASH, dans l'eau et l'assainissement. Cela va dépendre de la disponibilité des ressources sur le terrain. Cela va dépendre si les gens avaient déjà eu 15 litres d'eau par jour. Donc, ça varie. Ce sont des indicateurs parce que ce sont des choses qui ont donné du résultat. N'oubliez pas que le manuel Sphère est le résultat du travail, du fruit du travail des acteurs humanitaires de par le monde. Donc, des personnes qui sont experts dans l'eau et l'assainissement, dans la nutrition, dans la santé, ils voient comment les programmes sont mis en œuvre dans certains contextes, ils voient ce qui donne des résultats et ils disent, voici ce qu'on devrait faire, voici ce qu'on devrait donner aux personnes qui sont dans le besoin en eau pour respecter leur droit d'avoir accès à l'eau. Donc, les indicateurs permettent de mesurer est-ce que ces personnes ont accès à de l'eau en qualité, en quantité suffisante. Donc, je vois, Victor, je ne sais pas si tu peux projeter les résultats un petit moment. Je vois quand même 28% de personnes qui disent que ce sont des standards. Les standards sont des normes. Ce sont des normes qui s'appliquent partout. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous devez avoir accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, de qualité, après une catastrophe, durant un conflit. Ça, c'est une norme. Toute personne sur la Terre qui est dans une situation de conflit ou post-catastrophe doit avoir accès à ces articles de base. Ce sont des besoins basiques. Par contre, les indicateurs, ce sont des signaux qui nous permettent de dire, OK, j'ai mis en œuvre un programme de nutrition pour que les gens aient accès à une nourriture de qualité qui satisfont leurs besoins nutritionnels. Donc, pour que je puisse dire oui, mon programme a réussi ou non, je dois utiliser des indicateurs. Je dois utiliser des indices, des chiffres. Dès que je les atteins, je me dis, OK, j'ai réussi mon programme. Donc, revoyez à nouveau au sein du module que vous avez déjà vu. On a une partie spécifique sur la différence entre les normes et les indicateurs. Revoyez ça à nouveau pour que vous puissiez comprendre les différences. Et sinon, on pourra toujours en discuter au sein du forum. Merci, Victor, d'avoir partagé avec nous. Donc, maintenant, je ne sais pas si on a le temps de jeter un coup d'œil au chat. On a déjà répondu à quelques questions. Mais ce qu'on peut faire... Merci de partager avec nous ces questions dans les forums et on se fera le plaisir de répondre. Et en plus, tous les participants pourront donner leur avis. En termes de prochaine étape, vous allez compléter le module 3 d'ici à mardi prochain. Moi, je conseille à chaque fois de compléter le module avant le prochain webinaire. Ça nous permet de voir comment vous avez vu le module. Est-ce qu'il y a des points d'interrogation par rapport au test? Est-ce que vous avez eu des difficultés? On peut les voir ensemble. Donc, je vous encourage à terminer le module 3 d'ici lundi prochain, comme le webinaire sera mardi, le 7 juin.
Donc, si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à nous contacter. Jusqu'à présent, si vous n'avez pas accès à la plateforme, les personnes qui partagent aussi le lien Zoom avec d'autres collègues, c'est aussi bien, mais il faut les inviter à s'enregistrer parce que sinon, vous allez voir avec Félicité, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès au certificat. Félicité, tu fais un point? Merci Cindy. Je voulais faire le point sur où nous en sommes avec cette formation en ligne ouverte à tous. Donc là, c'est la troisième webinaire sur sept. Et en regardant les chiffres, on peut voir qu'on était plus que 1500 à s'inscrire pour la flotte, ce qui est très bien. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire. Et Tristan va mettre le lien dans le chat. Donc, si vous êtes sur ce Zoom, mais vous n'êtes pas encore inscrit pour la flotte, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours le faire. Et Tristan, il va mettre le lien dans le chat. Une fois inscrite, vous allez recevoir un mail de confirmation avec vos coordonnées de connexion. Ces coordonnées vont vous permettre d'accéder aux plateformes e-learning. OK? Et on voit sur l'écran que vous êtes à peu près 350 à vous connecter sur la plateforme e-learning déjà. Donc, une fois connecté aux plateformes e-learning, vous allez pouvoir suivre les modules d'apprentissage. Donc, chaque semaine, il y a un module. La semaine dernière, c'était introduction à Sphere. Cette semaine, c'était sécheresse en Abu Dhabi. La semaine prochaine, c'est réfugiés au Asba. Donc, sur la plateforme, vous connectez sur le module e-learning, vous suivez le module. À la fin du module, vous pouvez faire une auto-évaluation. C'est un QCM, question à choix multiple. Il y a 10 questions. Vous répondez à l'auto-évaluation. Si vous avez des soucis à répondre aux questions dans l'auto-évaluation, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez poser vos questions dans les forums. Il y a 3 forums sur la plateforme. Il y a un forum technique pour vos problèmes de connexion, de téléchargement, etc. Il y a un forum Sphere. Ça, c'est pour des questions par rapport à Sphere, comment ça s'organise, qu'est-ce que c'est un point focal, etc. Il y a un troisième forum qui est le forum pour chaque module. Donc, en ce moment, il y a un forum ouvert sur le module 2. Et Cady, elle est là tous les jours pour répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez eu des questions aujourd'hui, par rapport à ce que Cady a dit, vous pouvez les poser dans le forum et il y aura Cady ou Cindy qui va vous répondre. Donc, nous, notre plus grand souhait, c'est que vous continuez de venir le webinaire, mais aussi que vous vous connectez sur la plateforme et vous suivez les modules et vous faites les auto-évaluations. Parce que, Cindy, je vous demande d'aller au diapo suivant. Parce que, en fait, cette flotte, il y a 5 modules. Si vous arrivez à suivre tous les modules, ça veut dire le webinaire, le module e-learning, l'auto-évaluation, il y aura un certificat à la fin. Mais on ne pourra pas vous donner le certificat si vous n'êtes pas connecté à la plateforme et si vous ne suivez pas les modules. Si vous avez le moindre souci avec votre connexion, avec les modules, avec les auto-évaluations, il ne faut pas hésiter de nous contacter. Je pense que je n'ai pas suivi le chat, mais il y a un mail de contact. Donc, on vous incite de nous contacter par ce mail de contact pour dire quel est votre souci et on va essayer de trouver une solution. Donc, voilà, ça c'est mon petit mot pour cette semaine. Je repasse la parole à Cindy. Merci, Félicité. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, le 7 juin,
N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous rencontrez des soucis en particulier. J'ai écrit dans le chat que beaucoup de questions sont répondues au premier webinaire. Donc, si vous n'avez pas réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter dans l'email de Sphère. Maintenant, on va mettre fin à l'enregistrement. Et pour ceux qui ont encore un peu de temps, 15 à 20 minutes, on va passer au groupe de discussion. Merci, Victor, de stopper l'enregistrement.